lui, tout simplement votre réaction au tirage au sort de cette Ligue des Champions. Un groupe serré qui se ressemble. Je crois que les équipes sont là pour essayer de donner le meilleur, même si. Si voilà, il y a des équipes qui me rappellent des bons souvenirs, comme Porto, mais voilà, c'est un groupe voilà, où tout le monde a ses chances, donc on va travailler pour essayer de se qualifier. L'objectif, c'est de passer en huitième de finale, l'objectif affirmé du... L'objectif, bien sûr, c'est de se qualifier. Maintenant, ça ne va pas être facile. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de belles équipes, il y a des belles équipes qui jouent bien au ballon, donc voilà, il faut faire attention et essayer de bien préparer tout ça. Et l'adversaire, vous connaissez plus ? Moi, je crois que Beşiktaş, ça va être une ambiance assez particulière. Surtout qu'ici, avec Monaco, 12 000 spectateurs, c'est pas évident. Mais là-bas, c'est vrai que ça va être impressionnant pour certains de nos jeunes. Mais bon, il va falloir apprendre. Donc, c'est des grands matchs et il faut justement les jouer à fond, essayer de se qualifier, de faire une bonne figure. Vadim Vassiliev a refusé de parler de Mercato. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous ? Encore moins. Alors, tu vois, si le président il a refusé, c'est pas moi qui vais t'en parler. Donc, voilà, il reste encore une semaine. Donc, vous verrez la suite tranquillement. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir Kylian Mbappé quitter Monaco ? Je sais pas du tout. Je peux pas vous répondre à cette question. Si le président vous répond pas, moi, je peux pas vous répondre.